Auguste reine des cieux. Auguste reine des cieux et maîtresse des anges, vous qui avez reçu de Dieu le pouvoir et la mission d'écraser la tête de Satan, nous vous le demandons humblement. Envoyez les légions célestes pour que, sous vos ordres, elles poursuivent les démons, les combattent partout, répriment leur audace et les refoulent dans l'abîme. Qui est comme Dieu ? Qui ut Deus ? Ô bonne et tendre Mère, vous serez toujours notre amour et notre espérance. Ô divine Mère, envoyez les saints anges pour me défendre et repoussez loin de moi le cruel ennemi. Saints anges et archanges, défendez-nous, gardez-nous. Je vais vous donner l'historique de la prière Auguste reine des cieux. Le 13 janvier 1864, c'est le père Louis Sestac, un père qui était fondateur de la congrégation des servantes de Marie et qui est décédé 4 ans plus tard. Donc, début 1864, ce père qui avait visiblement l'habitude de recevoir les bontés de la Sainte Vierge a été subitement frappé comme d'un rayon de clarté divine. Il reçoit dans sa prière cette vision, il voit les démons qui sont comme répandus sur la terre et qui y causent des ravages inexprimables. En même temps, il a une vision de la très sainte Vierge Marie. Cette bonne mère lui dit que les démons étaient déchaînés dans le monde et que l'heure était venue de la prier comme reine des anges. Et ainsi demander à Marie d'envoyer les légions célestes pour combattre et terrasser les puissances de l'enfer. Alors le père Sestac lui dit « Ma mère, vous qui êtes si bonne, ne pourriez-vous pas les envoyer sans qu'on vous le demande ?»« Non, » répond la Sainte Vierge, « la prière est une condition posée par Dieu même pour l'obtention des grâces. »« Eh bien, ma mère, » reprit le prêtre, « voudriez-vous m'enseigner vous-même comment il faut prier ?» Et c'est là qu'il a reçu de la Sainte Vierge cette prière « Auguste reine des cieux ».« Mon premier devoir, » écrit l'abbé Sestac, fut de présenter cette prière à son évêque, Monseigneur Lacroix, qui était évêque de Bayonne, et l'évêque a daigné l'approuver. Il en a fait ensuite tirer 500 000 exemplaires et il les a envoyés partout. Et le père précise dans l'introduction de cette prière que quand il a fait imprimer cette prière, les presses se sont brisées par 2 fois. Il y avait un peu de combat pour diffuser et répandre cette prière.